Première planche du pont qui servira de repère, donc on fait deux encoches, tout ça pour que ça cale bien sur les cadennes et sur le puits à dérive. Le rouge sur le dessus. Ça rentre ou pas? Je crois pas, mais voilà. Je voudrais mettre quand même un petit coup ici. Il m'en faut un petit peu plus encore, hein. Mais c'est moins d'un millimètre. Hein. Nous avons un décalage de 2,5 cm qu'il s'agit de rattraper en faisant une planche bizarre, adaptée. Je rentaille un petit peu les cloisons parce qu'on n'a pas laissé assez d'air sous le pont, entre le pont et les cloisons, pour faire circuler l'air. 1 000 et quelques. Là, on a bien avancé sur l'arrière du pont. Daniel nous a fait un très beau tableau arrière. Hein. Il est en train de finir de raboter. Non, c'est une belle avancée. On progresse. Là, on va avoir le chapeau de gendarme à faire, qui va tenir le safran. Ouais. Et je sais pas en quel bois on va le faire. Si on le fait en pin, en chêne ou en travers du chemin de fer. Enfin, un truc comme ça, je pense. Hein. Comme ça. Non, au niveau de l'axe. Au niveau de l'axe du safran, on a un plongeur. Un plongeur qu'on avait récupéré. Donc on a le tube et l'axe. Et par contre, tu vois,